Notre Père, notre Dieu, nous disons merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta grâce envers nous. Merci parce que vous êtes toujours là pour nous. Nous demandons pour vous transformer nous. Aidez-nous et conduisez-nous, Papa. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous saluons chaque frère et sœur, amis, membres, amis de Dieu. Nous saluons nous tous dans le nom de Jésus. C'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu fait nous. Pour que nous capables d'entrer dans la méditation nous assoya qui gagne pour titre qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est une question qui est personnelle à chaque monde. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et texte de base nous trouvé dans Michée 6 verset 8 que m'a appelé pour nous. Il dit que on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, bon Dieu, bah nous connaissance de la vérité, lui montrez-nous ce qui est bien. Li éclaire nous, li ouvre l'esprit nous, li dit nous, mais bon route là. Sous marcher dans route ça, mais qui côté que la mener on. Mais ce qui ça que bon Dieu a demandé de nous-mêmes? Qui ça que bon Dieu a attendu de nous-mêmes avec vos chers frères et sœurs? Eh bien, verset après dit nous, c'est que tu pratiques la justice. C'est là qu'on observe les commandements de Dieu. C'est là qu'on fixe le regard sur Jésus. C'est là que, ni dans la pensée, ni dans l'action, ni dans la parole, pour que c'est bon Dieu même qui inspire aux chers frères et sœurs. Tout ça qu'on a fait, tout ça qu'on a dit, tout ça qu'on a pensé, il doit baser sur il est écrit. La vie, si vous avez un témoignage, vivant, chers frères et sœurs. Il dit que tu aimes la miséricorde. Ou supposez, gen même esprit ça, que Jésus te gagne, lorsqu'il était sur la terre, personnellement. Jésus te remé pécheur, mais il te raï péché. En plus de fois, chers frères et sœurs, moi, ensemble avec vous, nous raï pécheur là, nous critiquons pour ça la fait, qui pas bon, mais nous-mêmes, n'a péché tout, mais qui sont péchés qui différent de cela faire. Nous raï péché là, mais nous remet péché, chers frères et sœurs. Mais il dit nous que pour nous remet la miséricorde, pour nous faire volonté, bon Dieu, agir même gens avec bon Dieu, pour que nous ayons compassion, pour que nous ayons un cœur qui contrit, un cœur de chair, pour nous ayons une nouvelle créature. Et c'est ça que bon Dieu a attendu de moi-même ensemble avec vous. Il dit que, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous sommes l'histoire Enoch, chers frères et sœurs, qui t'a marché avec mon Dieu. Et puis, il y a un moment, mon Dieu prend ni, mon Dieu t'est retiré sous terre ça. Et bien, Enoch, chers frères et sœurs, et bien, comme si il était retourné au côté, non, plein comme son côté en dehors, ou bien en forêt, l'a marché, et puis l'a contempler la nature seulement Enoch te qu'on associé avec l'autre monde. Enoch te qu'on aller travailler. Enoch te qu'on a ouais l'autre monde dans travail li, li te un mari qui compétent, yon mari te gen la qui te gen crainte pour mon Dieu, il son travail qui était vraiment intègre. Dit dans tout petit détail dans la vie Enoch, il était fidèle avec mon Dieu. Et c'est comme ça Enoch t'a marché avec mon Dieu, chers frères et sœurs. Enoch t'a marché avec mon Dieu dans tout petit détail dans la ville. En tant que papa, il t'a marché avec mon Dieu. Oui, en tant que parent, il t'a marché avec mon Dieu. En tant que mari, il était fidèle avec mon Dieu. En tant que travailleur, mon qui qu'on a travaillé pour subvenir à besoin de famille, il était fidèle avec mon Dieu. Et c'est comme ça nous mêmes chers frères et sœurs, dans l'école nous, dans le travail nous, tout côté que nous passer, nous devons être fidèles avec bon Dieu, chers frères et sœurs. Et guidez l'autre verset que nous avons mis ensemble avec vous.
Le deuxième verset que nous allons lire ensemble avec vous, c'est dans Ecclésias 12, versets 13 et 14. Les deux versets, ça, on a plus ensemble, il dit que, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Pas d'exception. Tout le monde net, bon Dieu, attend de nous pour que nous capables d'observer ses commandements. Et Bible a dit nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul fils engendré et que quiconque il n'est pas le seul fils en ce de la vie de mourir pour nous. Quiconque, n'importe monde qui croit dans lui, il va gagner la vie éternelle. Il va pas périr. Et bien, ça fait que il dit là encore, c'est là ce que doit faire tout homme. Même si que l'évangile là, Jésus veut mourir pour tout le monde, et bien, nous tous net, nous inclus dans Ecclésias 12, versets 13 et 14. Nous tous net, nous devons observer les commandements de l'Éternel. Verset 14 a dit nous que car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, et ça fait l'important pour que l'on travaille pour marcher avec bon Dieu. Lola car pour marcher avec bon Dieu. Wonder car là marcher avec bon Dieu. Ou l'école là marcher avec bon Dieu. Parce que c'est pas seulement qu'on met à genoux seulement pour prier bon Dieu. Ou cap travail ou à prier bon Dieu. Parce que verset a bien dit nous, dans Michée 6, verset 1, après tout, verset encore, dit nous que c'est que Dieu, c'est que tu pratiques la justice. Action est supposée pure. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est que bon Dieu attend de nous, chers frères et sœurs. Et il dit dans Ecclésias 12, verset 13 et 14, « Bon Dieu, lui ouait toute bagaille, tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et dernier verset que nous allons lire ensemble, chers frères et sœurs, nous trouvons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, qui dit nous que « Ce que Dieu veut, c'est très important pour que un petit monde connaît vraiment qui ça que papa attend de lui. » Là que petit monde connaît, papa la tenu bagay de li, la fait ça que papa dit là, si que vraiment li me papa, si que vraiment que li obéissant, si que vraiment li me maman, li me parent, et bien la fait ça que yo dit, pour le faire pour yo, et bien que yo a content. Ou un petit monde qui vraiment obéissant, qui vraiment qui est pour parent, ça que parent attend de li, depuis c'est dans volonté bon Dieu, la fait sa priorité. Et c'est que ça, et ça que Jésus fait. Jésus fait volonté papale priorité. Nous-mêmes, nous devons faire dans la vie, nous, volonté bon Dieu, priorité nous. Tout ça que nous voulons, nous oublions, mais fait volonté bon Dieu. Parce qu'il dit, fais de l'éternel tes désirs, c'est pas vrai? Et là-bas, où tout ça que cœur désiré. Bon Dieu, qu'on a des désirs, bon Dieu, qu'on a des projets. Mais si que on fait ça que là-bas, tant de voix, tout l'autre bagaille a venu après, chers frères et sœurs. La bénie selon grâce que je nous ai passé, selon volonté, chers frères et sœurs. Et verset après, dit-nous, chers frères et sœurs, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, dit-nous que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce n'est pas l'argent. Les qu'on remet 10 000 offrandes, et pas ça que comme si bon Dieu a cherché dans mon. Non. Livre fidèle, le très important. On met les belles sous à l'église. C'est pas ça vraiment. Ça qui est important pour mon Dieu, c'est votre sanctification. Et dans la sanctification, on a une intégrité. L'école intègre, on a pris des dîmes avec offrande. L'école intègre, on pas dans péché. L'école intègre avec mon Dieu. L'école fidèle au travail, chers frères et sœurs. On pas quitter la parole de Dieu. On pas transgresser la loi, mon Dieu. Et bien, il veut sanctification. C'est ça que mon Dieu veut. De nous, chers frères et sœurs. C'est ça que vous avez attendu de nous pour nous marcher ensemble avec lui, pour nous sanctifier la vie nous chaque jour. Il dit que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Non seulement vous voulez pour que la vie nous sanctifie et pour nous résister au diable. Parce qu'on n'a pas qu'à suivre deux mètres à la fois. Nous, quand on a servi bon Dieu,
n'a pas servi bon Dieu et puis tout nous avons l'autre péché n'a caressé. Non, bon Dieu voulait pour nous servir et puis pour nous résister au diable. Et ça que bon Dieu attend de moi-même ensemble avec vos chers frères et sœurs. Nous-mêmes cap côté femme avec sœur mio. On nous fait ça que bon Dieu m'a dit. On nous fait que la vie nos chers frères et sœurs va en vie qui sanctifie. Pour que bon Dieu la va compter nous parmi les 144 000. Et grâce à ça, ça fait nous gagner victoire sur le péché. Et pas nous-mêmes n'a pas sorti. L'a sorti dans bon Dieu. C'est sa puissance. C'est puissance cet esprit qui a demeuré dans le cœur nous, qui a fait que nous avons gagné victoire sur le péché. Mais comment nous faisons ça? C'est marcher avec lui. Dans la dévotion nous. Dans la prière nous. Dans l'étude. Dans la parole, dans la pensée nous. Ou à travailler, ou à penser à mon Dieu. C'est très important, chers frères et sœurs. Nous devons marcher avec mon Dieu. On nous lit verset ça encore pour que nous puissions terminer. Michée 6, verset 8. Il dit que, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Écoutez, oui. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On nous marche tout comme ti moun avec bon Dieu. Tout côté dit nous fait, parce que bon Dieu pas jamais la gagne dans tout. Tout côté bon Dieu dit nous pour nous faire fait. Tout route dit pour nous faire fait. Fais bon Dieu confiance même si nous pas ouais côté n'a privé. Nous pas ouais et pour finir là mais nous n'a avancer dans route là parce que chemin ça li parle autre que Seigneur Jésus nous. Chers frères et sœurs, on nous fait bon Dieu confiance. On nous marche ensemble avec lui et gagnons vie sanctifiée. Que bon Dieu bénisse nous. On nous prie. Immortel roi des cieux, merci pour grâce ou pour l'amour. Ou apprendre nous, qui ça qu'on apprend, ou attendre de nous. Fait que nous va faire volonté, Seigneur Dieu. Et puis que nous, pour nous faire volonté, priorité dans la vie, nous. Pour que c'est ça qu'on voulait pour nous mettre en premier, papa. Bénis nous tout, transformez, pardonnez, péché de nous, dans Jésus, nous prions. Amen.